Revue de presse pour refermer cette édition à la une des quotidiens de ce mercredi. La riposte contre le coronavirus, le diplomate chinois en parle au Burkina, mais pas seulement. L'audience sur l'affaire de recrutement frauduleux de la CNSS reprend à nouveau. Amadou Marcel Tau. Chine, le coronavirus se propage vite. 425 morts, plus de 20 000 personnes touchées. Le Burkina, jusque-là épargné, s'affaire à des plans de riposte. Dans l'Observateur Palga, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso rassure à Ouaga malgré les 313 morts à Wuhan. Depuis l'apparition du virus, la Chine est à pied d'œuvre pour la riposte, note le journal en ces termes. Construction d'un hôpital en 10 jours, les Chinois forcent le respect. Car aucun des 22 étudiants burkinabés à Wuhan n'est contaminé, martèle aujourd'hui au Faso sur des propos de l'ambassadeur. Même si le virus n'est pas encore détecté au Burkina, ce n'est pas une raison pour croiser les bras, indique ce journal-là. La Chine est donc face à un défi herculien, titre le journal Le Pays, qui dans ses colonnes relate des propos de l'ambassadeur Li Yan. Le virus ne connaît pas de frontières ni de couleur de peau. Les Chinois sont les plus grands contributeurs pour endiguer cette maladie contre l'humanité. Pour le journal Le Quotidien, toutes les ressources humaines de la Chine se sont mobilisées pour apporter une réponse rapide et efficace. 3 hôpitaux supplémentaires avec plus de 3000 lits et plus de 6000 médecins dépêchés. Résultat, 717 patients guéris, souligne ce journal. La même annonce de l'ambassadeur chinois est relayée dans Sidoya qui soutient que la Chine a affronté l'adversaire avec la plus grande détermination. Autre actualité, l'affaire de recrutement frauduleux à la CNSS. L'ex-DRH et un de ses chefs de service ne parlent pas le même langage, affiche à sa une Le Pays. Le journal explique qu'un témoin à la barre ne reconnaît pas la copie qui est utilisée pour faire de lui un heureux admis. Un 6 sur 20 manipulé pour obtenir un 16 sur 20. Quand un 6 se transforme en un 16, clame l'Observateur Palga. L'audience reprise hier ne peut qu'être renvoyée au 18 février, précise aujourd'hui au Faso.